Au final, une requête de l'opposition, en particulier du leader de l'opposition, qui nous dit à moi, tease le copyright, la masa, etc., comme si tout le monde est artiste, vous ne répondez que à l'État. Alors, un joli point. Le leader de l'opposition finit faire ce point, nous finit prendre note, et me dire dans mon discours, comme je fais mon second reading, that I am open to any constructive suggestions qui poil dans le pour le bien des artistes. Le leader de l'opposition et même les autres camarades nous fait croire, enfin nous comprend qu'il ne s'est besoin d'un amendement élu, pas besoin que le ministre nomme les 4 membres. Alors, nous venons avec une nouvelle proposition pour nous dire qu'on a 3 membres élus par le nouveau, the new society qu'il peut faire, on appelle les Rights Management Society. Alors, ça, Rights Management Society là, lit service seulement de critères. Moi, pas pour rentrer là-dedans, le ministre ne rentre pas là-dedans. Alors, lit service seulement de critères, lit élire 3 membres, le ministre nomme 2 membres et nous avons 5 ex-officio, c'est-à-dire 5 différents ministères qui vous représentent. Auparavant, le ministre, s'il a un droit, nomme 4 membres qui ont l'expérience, qui ont la connaissance de copyright, etc. Qui veut dire, ben, ils ont besoin d'un artiste, ils ont pas besoin d'étrangers, ils ont pas besoin. C'est pas mon aliens, c'est mon Dimoun qui comprend le rouage de l'art, la culture, et je vais penser, nous, le ministre, nous, 4 membres. 4 ex-officio, 4 membres et un chairperson. Alors nous tenons un board qui tient que 9 membres. Auparavant, la MASA tient un board qui tient 15 membres. Et il n'y pas fin fonctionner, artiste d'accord, ben, officier d'accord, ben, dans staff là-bas, tout d'accord, it was not functioning because the board was too enlarged. Le bill, li bon mot d'aller finir dans consensus. Sauf que je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, ou je ne comprends pas, façon, avec un mindset qui azote, je pense, moi, nous ne faisons pas, et presque tout le monde est d'accord qu'il dit ça comme ça. Même qu'ils ont dit que c'est un bon pas en avant et je peux expecter ben, les autres changements, moi aussi, je suis d'accord. Et dans un pays qui est un seul Rights Management Society, un Collecting and Distributing Agency, c'est un beaucoup dépendant pays. Nous pouvons continuer dans la direction que nous pouvons faire, mais avec l'idée que nous pouvons privatiser. Comme telle, là, sa nouvelle loi qui nous vient avec Rights Management Society, en même temps, nous disons qu'il y a un artiste, ils ont gagné droit. 3 options. Un, ils ont enregistré les autres côté Rights Management Society. Mais si ils n'ont pas envie d'enregistrer les autres côté Rights Management Society, ils ont tous les une autre agence, une autre compagnie qui gère les autres collections et distributions, ils ont libre à faire. Ou troisième, un individu, un artiste, il gagne droit pour être enregistré ou soit un membre de ça, deux instances qui m'ont dit là, il est capable à titre individuel, s'il a envie à faire un travail artistique et à le faire le collègue par lui-même, nous pouvons utiliser ce droit constitutionnel. Là, l'État qui m'a été, qui nous répile, je ne pas trop comme si, et n'a pas un petit monde formé, un professionnel. Qui est pas capable de gérer les choses à l'heure qui me cause dans l'institution comme elle était. Définitivement, il y a beaucoup de personnes de talent, beaucoup de bonnes artistes qui peuvent faire bien, beaucoup de bonnes managers qui sont capables de rendre le show Rights Management Society sur board. Il y en a beaucoup de défis demandés. Un artiste qui trouve dans le ministère, qui nous connaît une demande de déclaration de radio, est-ce qu'il est déjà satisfait avec sa bonne amendement ou la même? Je ne sais pas si l'India ou l'Ibandir, mais. Faire une référence à une bonne conseillère. Mais il est avec moi tout de long, hein. Moi, je n'ai pas trouvé aucun problème. Mais il a le droit d'une opinion comme artiste, parce qu'il n'est pas oublié, il y a un artiste professionnel. C'est important pour préciser exactement qui tu me dis, parce que le mot démissionner, ce n'était pas moi qui me dis, c'était plus le journaliste, bien sûr, qui fait sensation, qui connaît si il y a une possibilité ou quoi. La réponse qu'ils m'ont donnée, la question se pose, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de réunions, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de propositions depuis 2011. Et c'est vrai qu'il me demande beaucoup de dossiers qui, malheureusement, même si le ministre n'approuve pas la table, il demandait. Jamais pas n'a suivi derrière. Et justement, comme nous avons eu une notice hier, en tant qu'artiste, en tant que conseillère, nous sentiment extrêmement
conscience et surtout peinée et frustrée, parce qu'il est concerné aussi, parce que voilà, c'est nous l'avenir, et ils mettent nous placés dans une place pour nous défendre, et même si nous faisons le maximum, qu'ils n'avaient pas pu suivre. On en visionne avec PM, et pour mettre un point, ce n'est pas démissionner, mais dénonce un point important pour dire ben, qui fait, ben, notre espèce souffert. Et il y a un point qui n'est pas vraiment pris en considération. Donc, c'est ça qui me motrise, parce qu'il est déjà mieux placé que moi pour dire oui, il y a une réunion, oui, le ministre nous aime, mais est-ce qu'il y a un suivi derrière, malheureusement, avec un officier concerné? Non. Je crois qu'il me demande une place à cause de mon compétent, à cause de mon franc, à cause de mon public, et justement, mon réputation, c'est tout. C'est pas mon réputation qui me vit dans sa place là, malgré s'il y a beaucoup de monde qui causait derrière, nous pas capable de faire plaisir à tout le monde, c'est vrai, mais il est important pour qu'il y prenne stand et dire que voilà, tout ça, les temps n'a pas de dire non, parce qu'il me croit dans mon combat, mon peine non, pour mon réponse moi.